Salim ? Salim ? I'm here. No. Alice? No, 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 Alice! Alice! Bonjour, bienvenue pour cet épisode numéro 3 de notre let's play sur Amnesia Rebirth. J'espère que vous allez bien. What? Where? Alice? Salim? No. It felt so real. Ok, très bien, donc bon, voilà, bonjour, bienvenue pour cet épisode 3, où on se retrouve, bon voilà, on a vu ce qu'il y avait derrière la porte, donc le jeu sauvegarde bien l'endroit où j'ai sauvegardé. Something's different. I feel like I don't fit my body. Oh, what the hell, I'm heavy. My gut feels like, oh. Pas enceinte. Parce que, alors en fait, oui, du coup, j'ai un peu réfléchi. Je sais plus si je l'avais dit dans l'épisode d'avant, je crois pas. J'ai un peu réfléchi entre les épisodes. Oui, non, mais je vais pas utiliser ça. Je vais pas allumer le feu. Hein. Ah, ça c'est bien. Mais ouais, je me demande si du coup, en fait, on n'est pas revenu dans le temps. Enfin, Tissa n'est pas revenu dans le temps. Et s'est retrouvé au moment du crash d'avion avec justement comme note de. Non, c'est. Secours. Voilà, je dois me rappeler, comme si justement elle doit se rappeler du voyage qu'elle a fait, enfin voilà, ouais, il faut que je me souvienne. Elle mourra, donc ça on sait pas trop à qui elle fait référence. Soit Alice, mais techniquement elle est déjà morte, donc bon, peut-être que... Hein. Et trouve Salim. Enfin, je me dis peut-être que ça c'est des infos, en fait, qu'on a, qui sont vraiment importantes. Enfin, pour rien, je sais pas si... Peut-être que je m'imagine des trucs aussi. Mais voilà. Voilà où j'en suis dans mon raisonnement. Par contre, là, c'est sombre. Ah oui, l'allumette. L'amulette. Oui, non, c'est contrôle, oui. Ouais. Super. Ah oui, le sang. Mais voilà. Vision de ch. Ah non, hein. It's too dark. Oui, bah, je sais qu'il faut que je l'aime. Ah, c'est bon, non, mais oui, en plus, je sors la lumière. Au secours. Ah oui. Des allumettes. Faut que je sorte des allumettes, mais pas mon amulette. C'est terrible, ça. Non, non. Ah, par contre, toi, t'as quand même un temps de latence où tu vas rester dans le noir obligatoirement, quoi. Ça me plaît pas des masses. Hein. Voilà, déjà, ça, c'est allumé. Ça aussi. Ça, c'est pour moi. Je brûle, là ? Ah, j'ai pas pu l'allumer, je suis dégoûté. C'est pas grave. Tant pis. Quoi, attendez, je prends le bois, je mets le feu au bois. Ça marche pas du tout. C'est dommage. Dommage. Bon. Euh.
Ah oui, bah là, là voilà. Maybe it wasn't a dream. D'accord, le professeur Herbert, il était au courant de ça. Tout va bien. Hein. Non mais au secours. J'aime pas du tout ces bruits. Ah, j'ai que 4 allumettes. Oh, c'est, ça commence à devenir un peu stressant d'un coup là. Comme ambiance le jeu. D'un coup là, c'est ça y est, hein. On est plus dans les. J'espère que mon son est assez fort d'ailleurs. Mais j'ai l'impression de me poser la question à chaque fois. Le problème c'est que là je peux pas vraiment avancer sans allumettes. Il fait beaucoup trop sombre. Hein. Mais faut arrêter! Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si j'ai vraiment envie de me rapprocher. Des cafards. Ah, c'est vrai que mon amulette elle. Non mais sors. Ouais. Oh, est-ce qu'on va tomber encore? Oulala, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment pas rassuré. J'aimerais bien trouver des allumettes parce que j'en ai bientôt plus. Il y a de la lumière là. On va se permettre. Oh, oh là là, il y a tout un. Ouais, ouais, non mais c'est bon, sors de là. Sors de là, t'as la clé. Ok. Non, non, restons à la lumière parce que là, ça y est, ça commence à devenir compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Combien j'ai de. J'en ai plus qu'une? Non mais attendez. Comment je fais là? Ça va être compliqué. Ah voilà, vite. Donnez-moi ça, vite. Allume ça. Je sais pas ce qui est en train de se passer encore mais. D'être abondi. Le problème c'est que je peux pas trop aller dans les zones dans le noir parce que après elle a peur, c'est pour ça que je veux pas trop monter en haut. J'ai qu'une allumette encore. J'en ai reçu qu'une. Oh, c'est pénible. Allez, on continue de descendre. Je peux plus remonter en tout cas. Non, c'est contrôle. À chaque fois je me gourre, mais c'est pas grave. On a l'air d'être. La lumière. Ben voilà. Oh shit. Shit, I remember. I'm pregnant. Oh Salim. I remember telling him in Paris. The expedition. We nearly didn't come because I was. I'm going to have another child. Christ. Salim, where did you go? Mm-hmm. Attendez, parce que, enfin, du coup, déjà. Non, j'ai toujours le. Y a rien qui change sur lui, il faut que je me souvienne. Parce que c'est peut-être de ça qu'il fallait que je me souvienne. Donc, on est enceinte. Incroyable.
Bon, espérons que tout se passe bien. Espérons que ça nous porte pas préjudice et espérons que le elle mourra ne fait pas référence à la sœur d'Alice, quoi. Parce que visiblement déjà qu'Alice, ça a l'air d'être compliqué. Voilà quoi. Alice, je suis pas convaincu qu'elle ait encore en vie. Ce serait bien d'éviter que sa sœur, elle meure aussi, quoi. J'essaie de regarder, hein, mais je vois pas d'allumette. Hein. Salim ? Ouais. Ah ! Non, 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 oh, non, please ! Non, non, non. Salim ! Non, please, my love. I'm here. I'm here now, please, stay, stay for me, please. My heart. You're my heart. What do I do? What do I do now? We're supposed to find you. Why wasn't I here? Why weren't we together? Bah on a retrouvé Salim, je m'attendais pas à ce que... You had waited for me. Even a little longer. M'attendais pas à ce qu'on le retrouve aussi vite et... Pas forcément dans cet état non plus. Salim. Ah mais attendez, c'est une lanterne. Ça c'est bien. I know I will not live. It does not hurt now. I have lost you, Tazi. It is only for a time. I know you will escape. You carry something so precious. Live for us, Tazi. Live for the child. Live and be free. And one bright day, we will all be together again. Know that you are my heart. Bon. Bah, rip Salim. Parti trop tôt. Non, 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 non. Bon bah. Ah, pour activer votre lampe à huile, activez sur F. F. Non mais attendez. Déjà je vois le niveau d'huile là. Oh, cette lumière de l'horreur. Oh non. Oh non. Ah ouais, non mais. En fait, je suis obligé de l'avoir. Comment ça, ça clignote? Moi, je décide d'aller par là. Hein. Court, hein, en fait, même court. Hein. Oups. Mauvais choix. Mauvais choix de... Direction ou... C'est scripté. C'est scripté. This, I can't do this. Not without you. Not without you. Why did you have to go? No. 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 Don't be so fucking selfish. It's not just about you anymore. Live. Live for the child. Come on. There's got to be something you can do. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est compliqué là. Pour le personnage de Tissa, je peux comprendre. Par contre, le problème, c'est que. Quelque chose que je peux faire. Ouais, ouais. Je veux bien, mais j'ai pas de. J'ai plus d'huile. Come on. Hein? Work, damn you. Il y avait pas ça tout à l'heure. Quoi, cette lumière? Oh, la lumière, j'ai vu la lumière. Bon, bah, ok. Ok. Maka. I think that's her word for him. Ah, c'est marrant parce qu'il me semble pas qu'on le voyait ça avant, le petit bébé, dans le temps de chargement. Il n'y avait pas le fœtus. Il y avait juste le rond qui se remplissait, non? Ou c'est moi qui n'avais jamais remarqué que c'était un enfant? Tant pas, hein. Ouais, veuve. Super. Super. Super succès. Super succès. Ok. On est de retour en extérieur, ça c'est bien par contre. C'est cool, il va rien nous arriver. God in heaven, Salim. Look where we are. What am I going to do? Just look at me. Alors moi j'ai regardé juste histoire de dire. Attendez, hein, j'appuie sur X. Vous pouvez maintenir X pour vérifier l'état d'un. Like you said. Find the others. Ah non. Get home. C'est normal qu'il. C'est normal qu'il ait l'air stressé de ouf le bébé. I can't believe I forgot this. Oh, calme-toi, hein. Calme-toi bébé. This isn't right, is it? I wasn't this far gone. C'est vrai que je sais pas où on est là, hein, mais. Ouais, que je peux passer par là. Oh putain, bah j'espère. Hein. j'espère, mais le problème c'est que je crois que non. Non, c'est bon, je peux. Je vais réussir à re-glitcher. Oh là là. Oh là là, j'ai peur. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Ouais, c'est bon. Oh, bah attendez, voilà. Finalement. Explorons la map différemment. Oh, mais attendez. Non mais attendez, par contre... je suis sûr que tu dois avoir des glitches de ouf à faire dans le jeu du coup. Vu que t'as l'air de pouvoir grimper comme ça un peu... je suis sûr que t'as moyen de monter là-dessus et t'as, tu dois avoir peut-être moyen de skip le niveau ou un truc comme ça. J'en sais rien, mais... j'aime bien en tout cas la façon dont on pouvait grimper là. Je sais pas si c'est voulu ou pas, je sais pas si on peut trouver, on peut s'attendre à trouver des easter eggs en haut ou pas. Je suis pas certain. Oh, là il y a un truc. Ouais, il y avait ma déception. Par contre, non mais lumière, moi je veux pas avoir peur. Bon, comment il va bébé? I wasn't even 3 months, this feels more than 4. De toute façon, je sens que ce ventre, il risque de grossir au fur et à mesure que le jeu va progresser. Hein. Sans forcément vraiment d'explication, à part éventuellement... Mais quoi que non, parce que là, visiblement, elle est sûre d'être enceinte. Donc c'est pas qu'elle est convaincue... qu'elle est tellement convaincue d'être enceinte que son corps se met à réagir comme si elle était enceinte. Parce que c'est un phénomène, ça, qui existe. Qui est utilisé dans un autre jeu que je ne vais pas citer, mais voilà. Faut pas spoiler. Oui. Bon, je regardais le numéro, hein, mais je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu que le numéro il me serve à quelque chose. Pourquoi est-ce que j'ai envie toujours de passer par ces endroits-là? C'est terrible. Hein. Vous accroupir en appuyant sur contrôle avant de tomber d'une... Ah! Oh! Oh! D'accord. Avant de vous laisser tomber. Ah, donc il faut que je fasse comme ça? D'accord. J'imagine qu'il faut que je sois accroupi en gros au moment de la... avant de la chute. Hein. Bon, là j'imagine par contre que ça marche pas hein, si je fais ça. Attendez, c'est moi ou...
Ah, je crois que ouais, je crois qu'il y a un effet de vertige, non? There's nothing I can do about it. De quoi, le fait que le bébé il a l'air d'être à 450% de pulsation par minute par seconde là? Genre il a un cœur à toute épreuve hein ce bébé. Ou alors vraiment c'est juste à la... L'onglet pense-bête du carnet de croquis vous montre votre objectif actuel. Ok, donc si j'appuie sur J, mon objectif actuel c'est ça. Ah, ah oui, bah oui, parce que du coup on a fini ça en fait. Eh ouais, eh ouais. Eh oui, on a trouvé Salim, on s'est rappelé. Par contre, elle va mourir, ça on a... Non. She will die. Pourquoi she? Parce que c'est I. Voilà, par contre, le nombre de trucs hein, qu'on a dû rater. À quoi qu'attendait? Bon, celui-là, oui. Bon, en fait, on en a raté qu'un. J'ai l'impression qu'on a raté qu'un seul graffiti, finalement. Donc, c'est un de trop, clairement. Mais... Bon. Je vous l'ai dit, en même temps, je m'attends pas forcément à faire un 100%. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce dieu Inca, là? I'm from Sudan, Mr. Sterling. This is Algeria. It might be Tinhinan, the mother of the Tuareg. It's a strange style, though. La mère des Tuareg. Alors attendez, j'ai pas retenu son nom, donc je vais me éviter de tenter de le prononcer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tiens, c'est une offrande. L'irrespect total, hein. Voilà, ouais, je profane ton truc, hein, tu m'en voudras pas. Hein. Ouais. J'aime pas trop sa tête. Hein. Pas du tout parce qu'on la voit quatre... Enfin, j'ai l'impression de la voir à chaque fois dans les images subliminales du jeu. Hein. Non, aucun rapport. Aucun rapport. Vraiment. Allons. Donc j'imagine que là... Ah bah, c'est vraiment... Could have come down in the middle of nowhere. Don't worry, Jonathan. Supplies, water, a map, there'll be something. Even if there's no one home. Lycos will have gathered the supplies. Bit you. Mais ça, ça veut dire que techniquement, on est déjà passé par ici. Si on en a les souvenirs. Évidemment. Évidemment. Allez, salut. Ça dégage. Ça... Dégage, j'ai dit. La violence. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? La Légion, c'est notre papa. Elle nous donne la fessée quand on est passage. D'accord. Très bien. Non mais oui, c'est bon, j'ai vu. Je veux voir les autres textes, il y en a plein. Honneur et loyauté forcée. Ah! Il y a toujours un truc qui va pas. Toujours un truc, un petit détail, c'est un truc qui va pas. Genre honneur et loyauté, bon ok, forcé, beaucoup moins ok. Bon, hein, voilà, bon, la Légion c'est notre papa, bon ok, par contre voilà, elle nous donne la fessée quand on est passage. Bon, c'est pas que c'est interdit en France maintenant, mais quand même, pas que ça. Mais... Le sergent Fournier est un fornicateur. Superbe. Toujours bien, toujours des bons messages en tout cas. Non mais ouvre ces trucs. D'accord. Ça aurait pu être très long à ouvrir. Hein. Oh, les allumettes et les papiers. Ok. Ah. Oh, oui. Oh, attendez, est-ce que j'ai cru voir des lettres sur le deuxième? ND, T210, ouais, T210 et ND. Je regardais derrière celle-là. Oui. ND. Là aussi, il doit y avoir un ND quelque part. Pas du tout. Mais elle, ça a l'air d'être plus... Oh non, ça a l'air tout... Tout ont l'air d'être des photos, en fait. Donc, ouais, non. ND. Ah, attendez, j'ai pas un bouton pour zoomer? Il me semblait que j'avais un bouton pour zoomer. C'est pas dans ce jeu. J'ai utilisé une allumette, je me déteste. On va allumer les bougies. Hein.
Ouh là là. AMD. Ok. Ok. Superbe. Ouais. Ouais. Allez, on tourne. Non mais... Allez. Ça, je peux toujours pas ouvrir. Alors le truc, c'est que du coup, je peux passer là. Mais ça a l'air d'être mon objectif, donc j'ai envie d'aller voir là. Avant. Évidemment. Oh, une tente. Oups. Ça m'attaque pas. Attendez, Attendez, est-ce que j'ai le droit d'être serein devant un scorpion dans le jeu? Moi, je sais pas, hein. Dans la vraie vie, je serais pas serein, hein. Regardez-moi la taille de cette bestiole. Alors, normalement, ceci dit, elle a plus peur que toi, hein. Mais... Faut pas qu'elle se sente menacée, quoi. On va dire que c'est comme un vrai animal. Donc, on va essayer d'être à une bonne distance. Toujours le garder à peu près dans les, au niveau des, voilà, du visu. C'est une sale bait. Attention, hein. Si tu commences à m'embêter, je te lance un truc dans la tête. Hein. Et c'est là qu'Aki m'a raconté l'histoire de la tribu locale. Lesquels, Anan? Une tribu de Touareg ayant refusé de se convertir à l'islam car leur propre ancêtre, Tin-Inan, une porteuse de bonne santé et fertilité, avait foulé le sable. Pourquoi refuseraient-ils de croire ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux? Des affrontements eurent lieu, comme toujours dans ces cas-là. Mais lesquels Anan étaient un peuple riche et parvinrent à obtenir la paix grâce au commerce du sel et de la viande. Bien joué. D'un coup, je me suis rappelé qu'il y avait un scorpion. Non mais, les allumettes, là. Parce que là, on propose à vous deux d'allumer un truc, mais... vous êtes gentil, mais moi, je veux... Voilà. C'est ça que je veux, moi. Mais prends. Voilà. Il est où, scorpion? Ouais. Bon, il n'y a rien. Je pense qu'on est bon, hein. Ah, quoi que non. Attendez, là-dedans. Oh, attendez. hop. Oh, putain. Il m'a aggro. Oh, putain, ça le touche. Ça l'a touché, hein. Attention. Putain, il avance vers moi, hein. Et tu fais quoi maintenant? Hein? Tu fais quoi maintenant? Je me casse. Oh merde. Non, c'est bon, il ne s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte que je me suis bloqué tout seul. Allez, salut. Hein. Allez, c'est parti. Hop. On va refermer pour le scorpion, hein, on sait jamais. Encore une boîte, Attends, il écrit quoi là sur la boîte? Réserve. Super. Super. Oh, des allumettes. Voilà. Comme quoi, finalement, qui commençait à me demander si ça servait à quelque chose. Non mais oui. Hop, dégage ça. Moi qui me demandais si ça servait à quelque chose de fouiller partout et d'ouvrir tout. Oui. Oui, parce que des allumettes peuvent être cachées n'importe où. D'ailleurs, l'amulette. Non. Le bébé. Comment il va, bébé? Oh, toujours pas. Toujours pareil. Hein. Je peux plus courir. Ça va, bébé? Oui, non, mais si, oui. Je peux pas sauter non plus. What in God's name? What the? D'accord. I've seen that thing before, I'm sure I have. Ça ressemble à la lumière qui nous a guidés, hein. I wish I could remember. Ouais, on parle pas de ça, à mon avis. Mais... oh, c'était mon ombre. Mais ça ressemble un peu à la lumière qui nous avait guidé, donc quelque part, je sais pas si c'était vraiment méchant, ça.
Ça se trouve, Tininan est gentil, hein. Jonathan Weber, ingénieur, papier britannique, un visa sera nécessaire au départ de Croydon avec nous. Jonathan est l'ingénieur. Il a également été engagé par la Triple Couronne, je l'ai rencontré à Londres. Il a travaillé sur tout un tas de projets, mais jamais en dehors de l'Angleterre. C'est un type sympa, mais il est fou comme un jeune chien, désireux de découvrir l'Afrique. Il devrait bien s'entendre avec Tazi et Eva, mais nous devons nous assurer que Léon ne l'écrase pas. Ok. Ah, Jonathan's great. First time out of the world and everything's a wonder. It's like having a kid along. Oh, jeez. Sorry, Tazi. Ah. Ah, là, c'est... Ah, on croit avoir un enfant... Pardon. Ouais. Non mais Alice. Hein. Alice malheureusement, voilà. Bon bah du coup bon, on va dire que Alice elle est plus seule maintenant. Il y a son papa avec elle. Voilà. Ils sont séparés en deux groupes de deux finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un gros bruit à ce moment-là? Est-ce que j'ai pris les dégâts parce que j'ai glitché ou pas? Ah, oh, mais ça l'a pris de jeu. Bébé, ça va? Ouais, peut-être, hein. Je sais pas, mais visiblement. On sait pas ça, hein, si c'est un garçon ou une fille, mais toi, visiblement, t'as l'air d'être. D'avoir ton idée. Tazi, what's the sign say? My French is piss poor. Just that they were a long way from home. Mais c'est pas français. C'est pas écrit en français, c'est scandaleux. Ils disent que c'est en France. Au secours. Bon, j'imagine que c'est peut-être la trad. Hein. Là, je peux faire. Bienvenue au bout du monde. Hein. Voilà. Welcome to the end of the world. Non, c'est... non. Ok. Des allumettes. Où avez-vous caché vos allumettes? D'accord. Alors attendez. Hein. Alors attendez, avant d'entrer dans l'objectif suivant, moi je cherche les allumettes. Je suis sûr qu'il y en a des cachés. Ah oui. Ah voilà, on refait notre stock là. Et ma lanterne à huile là. On va dire qu'il en reste. Je suis pas sûr. C'est pas clair. Attendez. Bah non, il en reste pas. Mais par contre, j'ai 8 allumettes. J'ai l'anneau de Salim, j'ai Maka. Maka. Ok. Bah let's go. Let's go. Precious jewel, and look at you. Mou. Ok. Pèlerine. Bon, on avance là, mine de rien. On a fait pas mal de zones. Hein. Après, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est des zones très longues, mais. Peut-être que j'ai raté des trucs. J'espère pas. We were here. I remember being scared. Why? Ouais, pourquoi t'étais là? Enfin, ça c'est le truc. Hein. Il y a ça aussi qui est quand même vachement étrange. Parce qu'en même temps, je dis qu'elle est retournée en passé, mais en même temps, ils sont tous morts, donc. Est-ce que vraiment elle est retournée dans le passé ou... Enfin, c'est bizarre. Pour l'instant, c'est bizarre. Oh là là, ça a l'air grand. Attendez, mon journal, là, il me dit quoi? Super, validé. Ouais. C'est validé. Ah ouais, non, mais on va pas commencer à faire ça pour tout, là. On va les allumettes. Au secours. C'est verrouillé. Locked, I think. Ah ah. Ok. Hein? Non, y a personne là. De toute façon, on va vite voir. Ça va être vite vu. Salut. Bon, y a personne, c'est un canon. Moi je cherche des allumettes. Ah bah. Non.
Par contre, mais qu'est-ce que j'en fais de ton canon? Ouais. Je peux passer là. Dans le seau, non, il n'y a rien. Dans ce... Oh! L'huile peut être utilisée pour remplir votre lampe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, non, je sais pas encore comment, quoi penser de cette zone. Ça a l'air d'être une sorte de mini-donjon, entre guillemets. En tout cas, là, on a l'air de potentiellement pouvoir interagir entre plusieurs portes. À voir. Over here. I think this is a water pump. Pompe à eau. Est-ce que t'as vu une pompe à eau, toi? Attends. Légion, légionnaire première, c'est Ernest Duguay. Et là, c'est Matteo Desrosiers. Très bien. Non, range ça. Même si c'est vide, range ça. Pour l'instant, on va continuer de fouiller. Hein. Tout cassé. Non mais, j'ai dit tout cassé. J'étais sérieux, moi. Hein. Bon, par contre, il y a eu la guerre ici, hein, on n'en parlera pas trop. Mais visiblement, il y a des traces d'affrontement quand même. Je suis à combien d'allumettes? 10 sur 10, ok. Ah mais, j'ai une huile pour lampe moyen, flacon contenant une quantité moyenne d'huile pour lampe. Alors je peux la... Voilà, donc ok, ça m'en donne 3. En vrai je peux l'utiliser parce que je suis à 0 sur ma lampe. Donc à moins que j'ai un truc qui me permet de recharger complètement ma lampe, auquel cas là je serais dégoûté. Il faut bien le faire quoi. Ok, mais un truc moyen c'est 3. Attendez, je vais faire ça. Ça marche pas. C'est nul. Bon, Oh, voilà, on s'est vu. On s'est vu et tout va bien. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Et toi, bébé, tu veux boire? Why now? Ouais. Bon, au moins, on se sera vu. Il se passe rien si je me regarde. Il se passe rien. Alors attendez, si je me regarde une troisième fois. Non. Mais une quatrième. Non. Arrête. On va arrêter parce que si ça se trouve, ça va vraiment invoquer un démon à un moment donné et ça va me tuer. Mais le scorpion là. Ah non. Hein. Pas les scorpions. Hein. Ah par contre, ouais. Commence à avoir un problème. Enfin non, parce que j'ai pas fouillé tout ça en fait. D'accord, donc visiblement c'est dans ce bâtiment là qu'il faudrait que j'aille. Ah, radio? That's the doctor. Je suis là. Trop stylé. Oh là là. Oh, c'est trop cool. Bon, bonjour. Pleure pas de bébé. Hein. Attendez. Hein? Mais sur quoi je vais tirer? Sur quoi on veut que je tire, moi? Sur la porte. Ça marche pas. Il faut une balle en fait, c'est ça? Oh là là, bon. Ah, ah il faut que je remette la balle là-dedans? Je comprends pas comment ça fonctionne, c'est terrible. Bon, on va ressortir de là. Hein. On avait une radio, regardez. Ah, par contre, pour le coup, ça a l'air d'être grand.
Ouais, attendez, docteur, j'arrive, je trouve la radio et j'arrive. Et je pense qu'on s'arrêtera une fois qu'on aura répondu à la radio. Ça se pense? Non, ouais, d'accord. Oh, un livre. Est-ce que j'ai cru qu'on pourrait lire dans le livre? Oui. Mais non. Oh, les allumettes. Les... Je suis plein. Ça saoule, je suis plein. Bon, après, en vrai, il vaut mieux être plein en allumettes qu'en avoir besoin de 12 milliards. Donc, bon, au moins on sait que si jamais on peut retourner ici. Ouais. Not on my own. Non, mais là, il faudra le canon, quoi. D'accord. Entrepôt du quartier maître. Non mais elle est où la radio là? Parce que c'est ouf parce que je l'entends ici. J'entends même là en vrai. Attendez mais en fait c'est dans le char qu'elle est. Hein? Ah, elle est peut-être là. Je peux pas ouvrir ça. Je comprends rien, ce char d'assaut, c'est terrible. Je suis désolé docteur, mais je vais pas pouvoir vous répondre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je peux descendre là. Hein. Ouais. En fait, le problème c'est que je peux aller à beaucoup d'endroits. Comme d'hab, hein, j'ai peur d'aller directement à l'endroit où il faut que j'aille, quoi. Mais en fait, là, le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir plein de choses potentielles que je peux faire. Et en vrai, j'ai envie d'aller là. Moi, j'ai envie de passer là. Donc là, on va... Non. Ça croupit. Voilà. Histoire d'amortir la chute. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des tranchées? Chaque fois, je crois que c'est de l'huile. Puis je vois le symbole de la bougie, je suis déçu. Là, y'a quoi? Ah! Accès interdit sans l'autorisation du capitaine Lefebvre. Quartier maître uniquement! Ouais, ok. Ouais. Ok, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. J'ai eu une clé aussi. Hein. Est-ce que je sais la clé de quoi c'est? Clé de l'arsenal. L'arsenal. Ah bah, l'arsenal, c'est là où j'ai sûrement chopé les munitions. En tout cas, il y a de grandes chances que je chope des munitions à l'arsenal. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par aller là-dedans? Ou est-ce qu'on se dirait pas que... C'est terrible, hein. Madame Ritter? Mais attendez... Non, et Ritter, c'est Eva. Madame Ritter. Alors, si j'utilise la clé... Hé hey. L'arsenal, il est là. Mama's here, so don't you cry. Shh, shh, little one. I'm here. I'll always be here. On montra que Maka, il avait les deux yeux à cette époque-là. Il avait ses deux orbites. Très bien. Nous voilà donc dans l'arsenal. C'est la souris, oui. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 10 février 1929, livraison en provenance de Béchard, livrée par J.P. Nebu, acceptée par L. Rothbauer. 4 rouleaux de cordes en cisale, 10 barriques de vin rouge, une caisse de médicaments, ici sous clé. Peut-être que la caisse de médicaments peut être utile, éventuellement. Un tonneau d'armagnac pour le capitaine, 4 caisses de porc salé, quartier-mètre, 8 sacs de charbon... 4 caisses d'oignons, de fonte brute, 4 caisses de viande de cheval séchée, 8 bois de... Ah, super. Non, en fait, moi, je charge des balles, peut-être. 1 sur 2. Ah oui, voilà. 12 sacs de haricots, 8 jarres de pêche. Ok, super. C'est passionnant. Passionnant, en tout cas, ce qu'il y a ici. Bon, en vrai, je devrais peut-être m'arrêter. Hein. Superbe.
l'odeur de la mort. Sulfur, saltpeter, charcoal. D'accord, oui, deux poudres à canon de la croix. Enfin, poudre à canon de la croix, hein, c'est gunpowder. Une tasse de soufre en poudre, une tasse de charbon moulu, 8 tasses de salpêtre. Très bien. S'il n'y a plus beaucoup de soufre en stock, cherchez de la pommade au soufre dans le stock de médicaments et faites-la bouillir pour l'extraire. Ce n'est pas l'idéal, mais car cela rend le mélange de poudre imprévisible. Mais c'est mieux que rien. Demandez au capitaine Kadir en cas de doute. Ouais. J'adorerais. J'adorerais pouvoir lui demander. D'accord. Donc là, si je fais J. Noblet. D'accord, ok, là j'ai... En fait, finalement, c'est un peu mes objectifs, c'est que là, je suis en mode... Ouais, il me faudrait des balles pour le canon, pour tirer avec le canon. Il me faut du salpêtre, du charbon et du soufre. Après, mettre tout ça dans la machine. Et paf, ça fait de la poudre à canon. Mais non pas des chocs à pique. Alors, je vais utiliser une allumette. Hein. On va se permettre d'utiliser une allumette pour allumer. En cas de stock insuffisant, prévenir le caporal Kadir. Ouais, bah super. Bah là le stock c'est pas qu'il est insuffisant, c'est qu'il est inexistant. Super. Voilà, et mon allumette c'est éteinte, donc j'ai pu allumer grand chose. J'aurais pu allumer ça. Ah bah. Bon, on va récupérer ça, même si du coup c'est qu'une allumette. Des papiers. Surveillance du portage des entrepôts du 10 février. Légionnaire Duguay, légionnaire Desrosiers. Ah bah, et légionnaire Bélanger. Il reste plus que Bélanger dont on n'a pas vu la tombe. Important. Avant que vous ne montiez la marchandise dans le bâtiment principal, vérifiez que le caporal de la Croix est disponible. Le quartier maître doit être présent à tout moment pour vérifier la livraison. Ne laissez pas les caisses en plein soleil. J'ai commandé le salpêtre pour tanner, pas pour votre poudre. Je l'ai déplacé dans mes entrepôts et il y restera. Réquisitionnez le vôtre. Mélange. Hein? De la Croix, quartier maître. Pourquoi il écrit mélange? Ouais, voilà. Du coup, super. Du coup, on trouvera pas tout ici, quoi. Ne pas utiliser sur du métal. Ouais. C'est ça. Hein. Huiler la lame après utilisation. Watch your step. Attention où tu marches, où tu mets les pieds. Shit. Pleure pas bébé. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait ça juste après avoir eu un coup de peur que j'ai eu ça, mais eu ce succès, mais on débloque pas mal de succès en tout cas dans cet épisode, ça fait plaisir. Impression d'avancer. Mother of God, what happened to you? Non mais stop la musique là. Charcoal. Ah bah superbe. Du charbon. Non mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas clair ce que je suis en train de faire, mais je peux pas. Ok. Ah, attendez, la porte. Là, on libère la porte. Secours. Voilà. Oh, attendez. Hein. Non, mais pourquoi la porte elle s'est fermée toute seule? Mais faut mettre quelque chose. C'est pas possible. Non, je voulais allumer. Hop. Et on récupère les allumettes. On ouvre cette porte. Non, ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Voilà. Ok. Et du coup, il nous reste plus que ce qu'il y a derrière cette porte-là. Que, bah, pour le coup, on va découvrir la prochaine fois. Eh oui. Alors là, je sais pas si, du coup, il y aura beaucoup de montage dans cet épisode, parce que j'ai l'impression... Enfin, je verrai, je regarderai, hein. Je ferai en fonction. Et bon, on aura pas mal avancé, mine de rien. Bon, bah, on aura retrouvé Salim. Bah, dans le meilleur des états. Clairement.
on aura découvert aussi l'existence d'un enfant en nous. Et ça me permet aussi d'avoir du coup visiblement des conseils sur le jeu. D'accord. Ouais, on me dit, hein, t'inquiète, hein, c'est pas là. Tu peux, voilà, t'as le droit d'appuyer, mais ça sert à rien. Bon. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.